Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec donc des volumes qui devraient baisser hein, puisque nous allons entrer dans le Thanksgiving aux USA qui va donc se répercuter sur l'Europe. Malgré tout, nous avions ici un début de rebond technique sur cette phase après le contact ici sur la zone des 4897 points. Les cours commençaient à remonter, mais on sent ici que nous sommes déjà potentiellement à la fin de ce mouvement, puisque dès l'ouverture, on est venu tester la zone des 4952, qui semble ne pas résister, hein, puisque l'on se dirige ici vers un mouvement plutôt baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste ici pour l'instant sur un mouvement plutôt haussier. Il faudra confirmer sur la clôture de cette bougie en unité de temps H4. On est toujours sur une dynamique de sortie de la zone de survente sur le RSI. Alors par contre, ce qu'il va falloir donc effectivement observer, c'est si les cours arrivent à revenir ici au-delà des 4952 points. Tant que l'on évolue ici sur cette zone, eh bien on est tout simplement dans un mouvement où on a eu un test ici des 4897 points, petit rebond technique, et donc où on va revenir tester cette zone assez rapidement. Si on élargit un petit peu la vue, eh bien on serait dans ce cas-là dans une configuration où les cours ici viennent chercher un support et le test d'une manière de plus en plus rapide. Si on revient casser ici cette zone, eh bien on aura des objectifs baissiers hein, qui se mettront en place, avec notamment l'extension de Fibonacci ici de la phase de rebond technique qui a été décrite dans l'analyse technique du journalière donc du soir, et sur rupture ici de cette zone des 4897, et eh bien c'est vraiment une poursuite du mouvement baissier, voire une accélération qu'il faut craindre. Donc pour aujourd'hui, eh bien il faudra surveiller cette zone, donc invalidation si les cours arrivent à rester durablement au-delà des 4952. Par contre, si on continue ici sur cette poursuite, on peut attendre ici une rupture des 4897. Alors attention, le manque des volumes peut entraîner dans une période de forte tension à une hausse de la volatilité. Ça s'est déjà vu hein, sur des phases de jours fériés. Donc attention ici, si on arrive sur cette zone en fin de journée, la cassure pourrait être assez forte. Hein. Donc là, en termes de volatilité, on pourra avoir une grosse hausse de la volatilité, pas forcément par conviction, mais par manque de contrepartie. Voilà donc pour cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure à part la publication du compte-rendu de la réunion de la politique monétaire de la BCE qui sera dévoilée à 13h30. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.